Donc on va passer au numéro 33. Donc on vous demande l'image par cette fonction de 1, de 0, de moins 2 et de 2 tiers. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'image de 1? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Elle ne peut pas passer pour une vraie, là, on est c'est figé quand même. Allez, répondez. Ouais. Moins 3 plus 2. Donc, et du coup, ça fait combien? Ça fait moins 1. Voilà, c'est ça. Donc, il suffit de remplacer le x par 1. Donc, vous faites moins 3 fois 1. Et après, vous faites plus 2, calculatrice ou deux têtes. Et vous allez trouver, effectivement, que l'image de 1, c'est moins 1. Pour 0, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui. 2. Merci, ça fait 2, effectivement. Vous remplacez, là encore, dans cette fonction, le x par 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Plus 2, vous trouvez 2. Pour moins 2, combien vous avez trouvé? Moins 4. Ça fait moins 4, oui, puisque moins 4, t'es sûr? Moins 3 fois moins 2. 8. Ça fait donc effectivement 8. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Et enfin, pour le 2 tiers, combien vous avez trouvé? Ouais. 0. Ça fait 0, effectivement, puisque moins 3 fois 2 tiers, le 3, il se simplifie, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, vous trouvez 0. Donc, après, vous choisissez l'une des présentations. Là, je vous ai mis volontairement les trois présentations. Soit avec une phrase, soit l'image de 0, c'est 2, ou alors l'image de moins 2, c'est 8. Les trois façons de présenter sont bonnes. Donc, vous choisissez la présentation que vous préférez. Moi, je vais prendre celle-là. L'image du 2 tiers, c'est, on avait dit que c'était 0. Voilà, on va appuyer sur fin.